Bonjour, je suis Charlène Perrault, je suis le thérapeute de Cendrillon. Tout d'abord, je voulais vous remercier à tous d'avoir pu vous libérer. J'ai écouté Cendrillon et elle n'est pas bien en ce moment. Donc je lui ai proposé de réunir sa famille. Elle était d'accord. C'est peut-être le seul entretien que nous aurons, alors je pense que c'est important que chacun puisse exprimer son point de vue. Et j'ai envie de commencer par une question. Quel est le problème selon vous? Quelqu'un veut prendre la parole? Le problème, c'est évidemment le comportement de Cendrillon. Madame se prend pour une princesse. Je sais pas si elle va pas bien, mais en tout cas, à la maison, elle prend tout le monde de haut. Vous pouvez m'expliquer comment ça se passe? Eh bien, c'est simple. Depuis qu'on est arrivé dans cette maison, Cendrillon nous fait la tête. Je sais pas ce qu'on lui a fait, mais elle nous adresse quasiment pas la parole, sauf pour nous gronder. Je dis souvent à Javotte, on dirait qu'elle fait la belle. Peut-être qu'on n'est pas assez bien pour elle, après tout. Hein. Une princesse, je vous dis. Et puis d'ailleurs, mis à part être obsédée par son ménage et la tenue de sa maison, elle sort, dès qu'il y a un bal dans le village, pour séduire les garçons. Tel que vous présentez les choses, on dirait que vous enviez un peu sa beauté. Est-ce le cas? Trouvez-vous qu'elle est séduisante? Est-ce un problème pour vous? Mais bien sûr qu'elle l'est, et elle le sait. Tous les hommes du village la regardent et elle rend jalouse toutes les filles. Mais c'est pas ça le problème. Nous, on aimerait simplement qu'elle nous parle, qu'elle nous considère un peu. Vous savez, c'est dur pour nous. Quand vous dites « nous », vous parlez de votre sœur Javotte et de vous. Oui, et heureusement qu'on s'entend bien toutes les deux. Javotte, que pensez-vous de ce que vient de dire votre sœur? Je suis d'accord. Cendrillon nous ignore complètement. Vous savez, moi je rêvais d'avoir une grande sœur avec qui j'aurais pu aller faire les magasins, aller au ciné, je parle pas d'aller au bal, hein, mais de changer les secrets. En fait, je crois que c'est comme ça qu'on fait entre filles. Enfin, je crois, hein. C'était comme ça que j'avais vu les choses quand maman nous a dit qu'on allait s'installer avec notre beau-père et sa fille. Et en fait, non. Dans cette maison, on nous parle mal. Il faut rien bouger, il faut rien toucher, il faut rien salir. Tout doit être propre. Ben, comme elle réagit comme ça, ben nous aussi, on n'est pas très sympathiques. On va faire en sorte de l'embêter un petit peu. Donc on la laisse dans son coin, avec son ménage et sa vaisselle. Ainsi, si je résume, vous regrettez de ne pas avoir une relation authentique avec votre sœur. Alors que c'est ça que vous auriez aimé développer, n'est-ce pas? Oui. Je ne sais pas ce que Cendrillon vous a dit. Mais on n'est pas des méchantes filles. Ce n'est pas parce qu'on s'entend bien qu'on est des égoïstes. Cendrillon, qu'avez-vous à dire à vos sœurs? Je ne pensais pas que mes deux demi-sœurs voulaient que l'on fasse des choses ensemble. Elles sont toujours tellement collées l'une à l'autre. Pourquoi elles ne m'ont jamais rien dit? J'ai toujours le sentiment qu'elles complotent dans mon dos. Pouvez-vous répondre à Cendrillon? Pourquoi ne lui avoir jamais dit que vous auriez aimé faire des choses ensemble, comme des vraies sœurs? En fait, je crois qu'avec Javotte, dès le départ, on a été très impressionnés par Cendrillon. Déjà, c'est une grande, elle est plus âgée que nous. Ensuite, ça fait longtemps qu'elle habite ici, c'était sa maison. Et puis regardez-la, elle est super belle. Elle a plein de connaissances, plein de copains, plein de copines, tout le monde la regarde. Nous, avec Javotte, on n'est que toutes les deux. Personne ne s'intéresse à nous. On se sent un peu nul. Ouais, il n'y a que notre mère qui s'intéresse à nous. Sinon, on ne compte pour personne. On se fiche de nous-mêmes à l'école, on nous appelle des filles à papa. Mais nous, on aimerait comme être comme les autres. Je vous remercie beaucoup pour votre franchise. Cendrillon, après ce que nous venons d'entendre, j'aimerais vous demander, est-ce que vous accepteriez de vous asseoir près de vos sœurs? Oui, d'accord. Cendrillon, comment vous sentez-vous maintenant? Je suis un peu, disons, troublée. Je ne pensais pas du tout ce genre de choses. Mais maintenant j'y réfléchis, depuis que je suis toute petite, moi aussi j'ai toujours rêvé d'avoir une petite sœur, un petit frère. Ça n'a pas été facile pour moi d'être fille unique. Et puis je me suis toujours fait beaucoup de soucis pour mon papa. Bon, je ne pensais pas du tout à ce genre de choses. Jamais j'aurais imaginé qu'elle puisse s'intéresser à moi et m'accepter dans cette nouvelle famille. C'est évident que ça a dû jouer sur nos relations. Madame, qu'avez-vous à dire sur l'échange auquel vous avez assisté? Moi, je suis très contente qu'elles aient pu s'expliquer. Je crois qu'elles se sont jamais parlé comme aujourd'hui.
Elle se crêpe tout le temps le chignon, alors. Que pensez-vous de ce qui se passe actuellement à la maison ? C'est vrai que c'est très tendu à la maison en ce moment. J'avoue que je me suis montrée un peu méfiante et distante envers Cendrillon. C'est vrai. Mais elle a tellement d'atouts, vous comprenez ? Elle a tellement de choses que mes filles n'ont pas. J'avoue que je me fais un peu de soucis pour mes filles, pour leur avenir. Comme toutes les mamans, et c'est bien légitime, qu'est-ce qui vous inquiète ? Vous dites que Cendrillon a plein d'atouts, et pas vos filles ? Ben oui, je veux pas les rabaisser, mais quand on les compare, Cendrillon est une jeune femme accomplie. Peut-être qu'elle est un peu hésitante, mais contrairement à son père qui s'en inquiète, moi, je ne me fais aucun souci pour sa réussite future. Et je dis pas ça parce qu'elle est mignonne et qu'elle plaît aux garçons. C'est aussi une fille intelligente, elle a eu son bac, elle peut prétendre à de brillantes études. Alors que mes filles, je me fais beaucoup de soucis. Peut-être qu'elles devraient s'ouvrir un petit peu, j'essaie de les soutenir comme je peux, mais il faudrait qu'elles sortent un peu plus, qu'elles s'ouvrent au monde. D'ailleurs, à ce propos, elles sont allées au bal du roi de Saint-Sever la semaine dernière. Mais maman, il faut que tu arrêtes avec ça. Tu penses qu'on va pas y arriver, tu veux déjà nous marier à des princes charmants. Maintenant, on veut travailler, on veut y arriver, on va s'y mettre. Et en plus, tu t'es même pas rendu compte qu'on a eu des super notes ces derniers temps. Oui, c'est vrai, c'était une corvée d'aller à ce bal. Et puis de toute façon, on n'a même pas dansé, on est resté dans notre coin avec Jarotte. Il faut que t'arrêtes de nous prendre pour des sottes. Des garçons, oui, on veut en rencontrer, mais plus tard. Monsieur, vous voulez intervenir ? Je suis très surpris par ce que viennent de dire Anastasie et Javotte. Comme leur mère, je pense qu'elles vont droit à l'échec scolaire. C'est vraiment un gros souci pour nous. Je les vois mal parties. Bien, tu verras quand tu vas recevoir notre prochain bulletin scolaire. Ouais, et en plus, comme on joue dans l'équipe de basket de Saint-Sever, le roi nous paiera, si on a notre bac, les meilleures écoles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, comme cette année, on est les premières du championnat des Landes, le service du roi nous ont fait savoir qu'on avait droit à une bourse de 10 000 euros par an sur 3 ans, et ça concerne toutes les joueuses de l'équipe. Tu ne savais pas que le roi de Saint-Sever était fan de basket ? Ça le rend fou de joie quand il vient nous voir et quand on gagne. Non, je ne savais pas. Si c'est vrai, c'est vraiment une excellente nouvelle. Ça m'enlèverait une énorme épine du pied. Je ne savais pas si j'allais continuer à y arriver financièrement. Et cette bourse, vraiment, m'aiderait beaucoup à payer vos études. Avec les Américains et leurs taxes sur le vin, les affaires deviennent de plus en plus difficiles. Il y a quelque chose que je voudrais dire, mais je ne sais pas trop comment. En fait, je me suis rendue au bal du roi la semaine dernière. Mais Cendrillon, on s'était mise d'accord pour que ce soit autour d'Anastasie et Javotte d'y aller. Oui, mais c'était plus fort que moi, et je crois que Javotte et Anastasie ne se sont même pas aperçus que j'étais présente. Ça m'étonne pas, tu peux pas t'en empêcher, hein. Oui, mais j'ai même dansé avec le prince charmant. Je crois qu'il est fou de moi. Il n'arrête pas de m'envoyer des SMS, il m'a même demandé en mariage. Le fils du roi, mais c'est incroyable, Cendrillon, et il te plaît ? Oui. Écoute, Cendrillon, je ne sais pas quelles sont tes intentions avec ce jeune homme, mais il y a une chose dont je suis sûr. Il faut que tu arrêtes de te morfondre à la maison comme ça. Tu t'en l'es dit, à rester enfermé. Je le vois bien, t'as mis des confites quand je rentre du travail le soir. Je vais bien, je suis plus un malade en convalescence. Alors arrête de te faire du souci, pense à ton avenir. Il est temps que tu prennes ton indépendance maintenant. Écoutez, Madame Perrault, je suis vraiment très content d'être venu à cette séance. J'ai appris énormément de choses. Et puis quel soulagement de voir ce qui se passe entre Cendrillon, Anastasie et Javotte. Cela me rassure tellement que je me demande même si je ne vais pas prendre ma retraite. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Mais les soucis m'en empêchaient. Mais au fond, je me dis que j'ai un petit peu d'économie et qu'il serait peut-être temps de le faire. Qu'est-ce que tu en penses ? Prendre ta retraite ? Si c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Et faire cette croisière que je t'avais promis il y a quelques années, ça ne te tente pas ? Je sais pas quoi te dire, je pensais que tu ne t'intéressais plus à moi, qu'il n'y avait que ton travail qui compte. Voyons ma chérie, tu vois bien que non, si je lâche tout, c'est pour passer du temps avec toi. Excuse-moi, j'ai du mal à y croire, je me suis sentie tellement seule ces dernières années. D'accord, mais essaie de me comprendre, j'étais écrasée par les responsabilités. J'étais obnubilée, une femme, trois filles à la maison, et juste mon travail pour subvenir aux besoins de tout le monde. J'ai toujours voulu le meilleur confort pour vous toutes. Tu peux me croire ? Je pense qu'on va mettre un terme à notre séance. Je pense que vous avez encore beaucoup de choses à vous dire à la maison. Quant à nous, Cendrillon, on se revoit dans un mois.
Je pense que les choses ont bien avancé. Il me semble que nous avons dit beaucoup de choses. Non, je recommence. Pas trop près. On pourrait faire des zooms, des zooms. C'est vrai que c'est très tendu à la maison en ce moment. On commence. Et le mimique à la fin, je sais pas si ça va passer. C'est pas très naturel. Vous savez, c'est dur pour nous. Le fils du roi, mais c'est incroyable, Cendrillon. Et il te plaît? Oui. T'en es trop fait, là. C'est quoi déjà? Je crois. D'accord. D'accord. Mais... Ça fait pas. Ah oui, c'est elle est bonne.